رجل مسكين الحاج. بالنسبة للجمعية جمعية الكرة التقنية والبيئة وزعما المنطقة القوية كان مقر الاكتفاء التزيين ماشي سميتو سكان مقر الاكتفاء التزيين سي دافير اومون كوم لاسوسياسيون كي سوكوبي توت لا كونستروكسيون دي سونتر كان في انفاع كبيرة ولكن هناك الكثير من الممكن ان يكون هناك الكثير من الممكن ان يكون هناك الكثير من الممكن ان يكون هناك الكثير من الممكن وبتعاون تعاون ثاني درنا مع الشركه مع المبادره الوطنيه والجمعيه والجامعه دابا المبادره الوطنيه استفدنا من المواطن ديال الخياطه استفدنا من 13 ماكينه ديال الخياطه من الوعاء فيها ديال الفرز وفيها ديال الخياطه العاديه وفيها ديال الديكوز السرجيف مي دابا مع الضو مازال ما دخلناش غير دابا خدامين دابا خدامين كيتعلموا في كيتعلموا من الشيء ديال التليفون دابا كيتعلموا كاين اللي كيتعلم الخياطه ديال الطرز وكاين اللي كيتعلم الطرز ديال الخياطه وكاين اللي كيتعلم الطرز ديال الدماغ ودابا الحمد لله الدريه اللي خدام كاينه فيها شي 22 دريه تقريبا ما بين 25 ما بين 18 عام حتى 25 30 عام وفيه شي 4 العيارات كبار ولا 6 هما تقريبا اللي كيتعلموا زائد مع الأمية زائد مع الأمية تاع الشراكة مع وزارة التربية مع وزارة التربية الوطنية في الجامعة الجمعية ديالنا كتساهم بزاف درهم والجامعة والشركة التقنية الوطنية هي اللي كتعاملها الجمعية المسؤولية ديالها هي اللي تفرض على المؤثرة اللي غادي تلقى فيها العيادات مع الأمية وهي اللي غادي تتكلف والشركة مع النيابة خاصك النيابه هي اللي كتكلف المصاريف ديال المشرف والمشرفه دابا حنا دابا كل عشيه كاينه المؤثره اللي كدير مع الحكوميه كاينه عندها جزء في صور مكه وعندها ثاني ساعتين في صور حدا من لعبه ثلاثه كجيليين ومن ربعه ثلاثه كتهبط عندها مكه حنا كندير مع الحكوميه في الجرم وفي قاع الجرم ومرينيه درنا كما طلب من النيابة حتى من حد لنا رقيق من القاعة في المدرسة وكندير فيها المحكومية سميتو مودو في لاسوسياسيون دي كونكريسون هي هذه لا كونفيراسيون افيك لا ميري اي لي دياج نوزون دوني تو الماتيريال سيتير دي ماشين Travaux féminins. Sinon, il y a aussi la lutte contre l'analphabétisme d'Afrique dans deux villages. Ils ont. Avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale. Avec le travail de subvention à l'association. La raison de 2 heures le soir pour les femmes. Là, j'ai écrit, c'était encourageant parce que les femmes s'y intéressent. Donc, il joue un rôle important parce qu'il a changé le mode de vie de toutes ces avant, elles se traînaient comme les femmes qu'on avait eues, elles s'assiedent par là. Ils ont trouvé un lieu commun où ils se rencontraient, ils sont très contents de se rencontrer là-bas, en même temps apprendre l'utilisation des messages et des projets. En attendant l'électricité pour essayer de développer des choses comme. Donc là, pour le moment, ils sont très contents de ce centre. Les femmes, elles sont bien occupées au niveau de leur vie, surtout la contribution de la fille entre 17 et 25 ans, qui vient tous les jours. Là, c'est vraiment encourageant. Et là, j'avais prévu, ce que je parlais de l'université, parce que là, il y aurait carrément demain, Charles. Et tous les filles sont là-bas à 18h. C'est à portée de. Ça commence à quelle heure hein? C'est une visite vite fait et voir sur place ce dont on parle. Ça va être une heure. C'est à son c'est pas long. Ça va être vraiment. C'est à son même si l'équipe ne peut pas. C'est intéressant, même le village et l'équipe. Même si l'équipe ne peut pas se déplacer ensemble, il faut qu'on y va. C'est intéressant en soi.
Ce qu'on ne connaît pas, même nous les Nihitis, vous et moi, la plupart des Nihitis, c'est que l'association Kaout pour le développement et l'appui à la femme rurale est l'une des associations les plus actives au niveau de la commune. Même s'il n'est pas, il est discrète, même s'il n'est pas médiatisé au niveau de la commune. Mais le Jamaïa, c'est l'acteur fa'ilia à l'intérieur du Jamaïa. Mais c'est ce qu'on a. Non, mais c'est pas ça. Je vous dirais que je travaille discrètement. Il y a ici, c'est Voudou, qui travaille tranquillement, discrètement. Il cherche. Ils ont créé ce centre qui est actif, ils ont tissé une convention avec l'éducation nationale, travaillé une convention pour appuyer l'alphabétisation. Aussi, à travers leur activisme, ils reçoivent des subventions du conseil provincial. Et aussi, à travers leur activisme, ils arrivent à convaincre les services de l'État pour intervenir dans des petits projets de proximité qui visent à améliorer les conditions de la vie de l'enfant. C'est un peu, si une société organisée, vous allez voir dans l'ensemble, oui, organisée avec un archivage, avec un bureau, avec des choses qui sont très... C'est un modèle réussi, hein, un modèle réussi. Les travaux de ces femmes-là, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a une vente, mais donc, en fait, ce qui veut dire qu'il n'y a pas encore de travaux à vendre. Ils sont dans l'étape d'apprentissage. Ils viennent d'ouvrir, il n'y a pas longtemps. Au niveau du personnel, ils ont réussi à trouver des filles diplômées qui peuvent apporter des savoir-faire. Ils sont payés par la société. Il n'y a même pas de place. Parce que vous, la question, pour la fin de rien. Les deux villages sont encore bien habités, il y a du monde, c'est pour ça. Quand tu entends 28 filles, ça veut dire qu'il y a de... C'est important, parce que l'autre crainte avant, oui, c'est qu'on s'est dit, bon, parce que moi-même, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que ça va être cool de s'engager dans ce genre de processus, parce qu'on s'y dit, les gens, tu viens ici, tu vois pas d'interaction. Les gens, en fait, c'est très bas. C'est pour cela que nous aussi, on a été un peu dans notre association quand même, c'est depuis 2002, on a été toujours dans la description, les gens, ils ne savent même pas, même les gens de l'Islam, ils sont à côté, ils savent pas ce que c'est. Il a dit, mais c'est quoi ce... Bah oui, c'est un truc en France. Vous verrez, nous, on regarde ce qui se passe. On veut quand même avancer. C'est pour cela qu'on a décidé maintenant qu'on est un peu vers la fin. Ça va, on commence à en parler. C'est pour ça qu'on est. Un peu de communication. Oui, de communication pour que les gens sachent que, voilà, c'est quelque chose qui est pour la région et pas pour. D'ailleurs, notre idée au début, ça a bien été notre jour, c'était de faire une vraie sorte dans ce projet. On a commencé à chercher un terrain sur autour d'une sorte pour que ça soit neutre. Mais malheureusement, il y avait quelques obstacles qui ont fait qu'on a abandonné, on a pris cette idée-là pour aller dans l'endroit où on a pu avoir le terrain disponible. C'est dommage qu'on n'avait pas M. le maire à l'époque pour discuter de ce projet-là. C'est vrai qu'on avait cette occasion. Moi, j'ai une question. M. le maire, faites bien l'ancienne école de Sorte.
Il est fermé. Les portes sont ouvertes. Malheureusement. On peut rentrer, faire le tour. Excusez-moi, il est ouvert. Pourquoi? Parce que encore les enseignants qui y étaient. Ils y habitent. Il y a deux gens. Ils se déplacent à notre école. En retournant par le transport scolaire, lui. C'est pourquoi il est encore ouvert. Normalement, pour l'éducation nationale, c'est-à-dire le truc de Taoudon, eux, ils ont dit qu'ils vont les mettre à la disposition des associations, si je veux faire des normalement. Et on a, et c'est pas la seule, on en a 4 ou 5. C'est pas la seule. Hein. Elles sont investies déjà sur le projet depuis quelques temps parce qu'elles participent aux événements qui ont lieu sur Choisir le Roi pour faire connaître d'abord l'association, son projet, et puis pour récolter des fonds en vue de que ce projet puisse se concrétiser ici en Maroc. Je vous prends un peu au dépourvu comme ça, voilà, c'est important. En tout cas, on vous remercie. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, en fait, dans ce projet, c'est sur le même parallèle que la coopérative qu'on a visitée autrefois, c'est l'idée d'autogestion par les femmes, en fait, avec une auto-organisation au niveau des salaires et tout. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment, en fait, au niveau de la coopérative. Et c'est bien que, dans la finalité, l'association se retire un petit peu pour justement ces femmes s'auto-organisent et puissent. Vivre tout seul de leur produit sur la station. C'est ce qui m'intéresse. C'est vrai que nous, ce matin, on va vers ça. Normalement, c'est que nous pouvons se qu'un jour, il y aura des personnes qui vont être en du centre et que ça sera vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée. Mais de... On n'aura pas la force de vivre toute l'avenir. En plus, n'oubliez pas que nous, on a d'autres engagements. Par exemple, notre association, je vous le dis honnêtement, si aujourd'hui on finit ce centre-là, et qu'il y a une association, il y a un projet au fond de Madagascar, ou de la Tunisie, au fond de Marie-Jean qui en travaille, au fond de la Kabylie, en Algérie ou autre, on est partout. On est partout. Ça veut dire qu'on a pas de on travaille sur un projet. Et qu'on peut faire ailleurs. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ou alors, dans une autre région, par exemple, je sais que ma famille est de la région des Midianos, s'il y a un projet, par exemple, pareil, qu'il y a des gens solides qui veulent travailler, on va faire. Maintenant, il ne faut pas l'aider là. Mais si, ici, on a d'autres projets et que d'autres n'en ont pas, on va continuer. L'idée de l'association, c'est d'être dans une association humanitaire qui travaille dans l'aide d'urgence. De temps en temps, ça peut arriver en cas de demande. Mais le but, c'est surtout de travailler dans le développement durable, donc à savoir amener des projets qui permettraient de rendre les villages autonomes. Donc, une fois que celui-là est terminé, on peut aller sur un autre village. Certes, on a voulu commencer par celui-là parce qu'on maîtrise la langue, on maîtrise le relationnel avec les personnes, on connaît certaines personnes, etc. Donc, ça nous a énormément facilité, autant sur le plan politique, sur le plan des matériaux de construction, sur les outils, sur vraiment toutes les étapes. On n'a pas beaucoup de difficultés. Donc là, c'est de l'expérience. Après, par la suite, on verra ce que ça donne. Reste quelqu'un là. Anne-Sophie, donc, c'est quelqu'un qu'on découvre, qui vient dans le monde associatif, et que, avec son ami Thomas, donc dès qu'il a parlé de ce projet, c'était partant. Et c'est vrai que c'est il est parti à l'aventure, sans savoir. C'est la première fois d'ailleurs que je vais au Maroc. En plus, le Maroc, c'est la classe, c'est vraiment un point perdu. Donc, c'est quand même moi qui s'est parachuté. Une bonne adaptation, il faut le dire. On l'a dépaysé. Déjà, quand on a fait notre réunion, le projet était un peu. C'était pas vraiment concret pour moi. Et dès que je suis arrivée ici, j'ai tout de suite vu que c'était beaucoup plus concret. En fait, d'être sur place, on voit beaucoup plus ces choses et ça devient beaucoup plus concret. Et je sais pas quoi dire d'autre. Donc c'est prêt. C'est une aventure. Bravo. Julie. Pareil, c'est une petite fille comme elle disait Fatima tout à l'heure.
la pleurait, avec les filles qui la pleuraient. Cette année, parce qu'on a encore retravaillé sur le projet, on l'a représenté avec le voyage, je crois qu'on va avoir une subvention de 2500 euros. Mais c'est déjà énorme pour nous, parce que des associations qui ont 300 euros. C'est le maximum qu'on attribue. Les associations reçoivent plus que ça. Les associations reçoivent des millions de euros. 25 000 dirhams, c'est un minimum. Nous, malgré tout, c'est un minimum. Pour nous, c'est une énorme aide. Parce que par rapport au travail fourni. Il faut recentrer aussi l'association dans son cadre, c'est une petite association. Voilà. Dans le cadre associatif, c'est une petite association. Il faut travailler au niveau local, mais pour ça, c'est besoin de subvention. Il faut être critique au niveau local, c'est ce qu'on fait. Et après, tous ces projets qu'on a mis, on peut se permettre de demander des subventions plus importantes. On arrive à décaler le montant maximum. Ça dépend du budget alloué par le. Là, pour l'instant, nous, on est dans un contexte de crise. C'est une conjoncture difficile. Un peu difficile. Ça fait un certain nombre de subventions étatiques qui sont plus allouées. C'est la même chose. Donc, c'est une somme extrêmement importante. Heureusement, ça n'a pas abouti les deux premières années,
Donc, que ce soit au niveau de la mairie, au niveau des jeunes, quand on arrive à mobiliser une trentaine de jeunes, à la fin, je finis toujours par les embrasser tous, ils sont là du début jusqu'au bout, que ce soit à 2h, 3h, 4h du matin, et ils sont encore là, et ils ne te lâchent pas, c'est qu'on termine tout. Pour moi, c'est important. Donc, heureusement qu'on n'a pas fini. Heureusement qu'on n'a pas fini ce centre les deux premières années. Je pense qu'il n'aura pas cette valeur qu'il a aujourd'hui. Donc, c'est important de dire, c'est que c'est vrai que c'est une aventure, c'est une belle aventure humaine. Ouais. On découvre de nouveaux bénévoles, une belle rencontre en tout cas. Il y a le projet, voilà, au cœur de l'association, la construction du centre. Confort, voilà, d'aller devant moi. Mais en même temps, il y a des, ce que disait juste le titre Fatima, c'est que la ligne directrice de ce projet, c'est les femmes et les enfants. Les femmes et les jeunes filles, qui est de manière générale l'éducation des enfants. Bien sûr, c'est aussi une préoccupation. Et on voit bien que même si la construction du projet n'est pas finalisée, il y a aussi des actions telles que la question du parrainage, la question de la bibliothèque, qui permettent un va-et-vient entre l'association, la ville choisit le roi et puis la commune. Il y a des choses concrètes qui se font parallèlement à la construction du bâtiment. Oui, tout à fait. C'est bien. Ok. Après, donc, Charles de Chibou. On va faire un peu de temps dans le centre, là, ça finit. Et monsieur le maire a fini son travail, je ne sais pas. Ah, elle va aller avec nous déjeuner, Inch'Allah. Yeah. Il y a un bureau qu'on n'a pas visité. Allez-y, j'attends que tout le monde passe. Allez-y, j'attends que tout le monde passe. On n'y va pas toute seule. Avec le maire. La drive. Ils sont bien de nos fonctionnaires. Alors moi j'ai une autre façade cachée avec Hassan. Moi aussi. Les amis donc, on a fait les commentaires. Vous savez où je l'ai retrouvé? Vous ne pouvez pas imaginer où je l'ai retrouvé. Devant l'esplanade de Jussieu, à Paris. C'est étudiant. Et on a fait des études à Paris ensemble. Et un jour, elle a claqué la porte. Je l'ai marre, il fait froid. Je vais retourner au Maroc. Je retourne au Maroc, surtout dans ce village natal. Et venez ici de qui. Plus ensemble, à étudier ensemble là-bas, on a passé 3 ans ensemble, et c'était écœurant, je l'embrasse. Et chaque fois que je lui ai dit, c'est... Bien sûr, tiens. Non, c'est ça. Non, c'est ton ami. Mais le casier à côté de... À côté de monsieur le maire.